Bah, une journée encore longue, hein, faut le dire, parce qu'on a quitté le parc à Monaco ce matin à 8h11. Et puis vous voyez, on arrive à Valence, il est 19h30. Ça s'est plutôt bien passé, la voiture marche très bien, donc ça c'est toujours un plaisir. Elle a un succès, bah, vous n'avez qu'à voir hein, autour de vous. La voiture a un succès phénoménal. Plein de gens viennent nous voir en disant « Ah, la Stratos, c'est la voiture dont je rêvais quand j'étais jeune. Ah, Sandro Munari. Ah. » Voilà, tous les souvenirs se remémorent, se reviennent aux gens et tout le monde est ravi. En fait, les moyennes à respecter sont assez faibles, hein, c'est entre 43 et 48 km/h, avec des très belles spéciales, certaines que je connais puisqu'on les a faites avec le Tour Auto. Donc j'ai commencé à prendre les virages, les épingles en travers, etc., pour faire un peu le show. Et puis je me suis dit, ben, vers la fin, on ralentit pour arriver avec une moyenne qui était conforme à ce qu'ils vont faire. Ben, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que là, on s'est pris 2 fois 30 000 points de pénalité, ce qui est la pire des pénalités. Donc on est à mon avis dans le fond du classement, on n'a pas vu le classement général. Mais on est plutôt pas mal sur les temps qu'on fait, on est pas mal puisqu'on finit entre 33, 32 et puis 50 sur 250 participants. Les gens sont des vrais passionnés. Hein, là, regardez, la foule, il est 20h ce soir à Valence. Le public est au top, les spéciales sont magnifiques. Moi, le ressenti, je dirais pas que je suis déçue, mais je voulais voir un peu où on allait se placer en régule. Et c'est vrai qu'en fait, les moyennes sont relativement basses. Et on a forcément envie d'appuyer un peu. Même moi, en tant que copilote, j'avoue que des fois, on a envie que ça avance un peu plus. Donc voilà, pas déçue parce qu'on s'est quand même bien amusé. Et effectivement, les spéciales sont juste magnifiques. Les paysages sont assez dingues. Mais voilà, c'est vrai qu'au niveau du général, on sait très bien que... Voilà. C'est dommage parce qu'effectivement sur chaque spécial, si on regarde, on a un classement qui est plutôt bon. Maintenant, voilà, on a pris ces pénalités-là. Voilà. Mais on est quand même contents, c'est quand même super sympa. J'aimerais bien, je discuterai avec les organisateurs, ce serait quand même pas mal qu'ils arrivent comme la plupart des bons rallyes en France ou en Corse à avoir une catégorie régularité et VHC. Ce serait en compétition, là, ce serait un régal. Bah, écoutez, je vous remercie. Je vais vous souhaiter bonne nuit, bon repos. Et merci à vous aussi. À demain. Et bien à demain, avec plaisir. Avec plaisir, avec le sourire. À demain, merci. Merci.